Dans l'étape précédente, nous avons installé les foils. Passons maintenant à l'installation du dernier appendice, le safran. Sachez d'ailleurs que sur le Birdie Fish, le seul réglage d'incidence est sur le safran. Nous verrons dans un autre tuto comment il est avantageux de le régler. Allez, on y va! Pour commencer, nous enlevons la vis qui empêche l'axe de barre de se dévisser pendant les phases de navigation. L'axe est maintenant libre, nous le dévissons afin de récupérer une rotule. La rotule vient se placer dans son support sur le tableau arrière du bateau. On l'insère de bas en haut en appuyant assez fortement jusqu'à sentir la mise en butée. Comme sur les foils, le bord d'attaque du safran est la partie la plus épaisse. Nous le glissons de bas en haut dans le casque et afin de bien l'ajuster, il est normal de forcer un peu. Nous sommes prêts pour venir fixer le casque au bateau. Nous passons la barre sous la pantoire de GV, puis on vient approcher, comme à l'image, le casque des supports de rotule. Il ne nous reste qu'à visser dans le casque en regardant par le haut du casque. Nous pouvons voir si nous sommes bien dans l'axe de l'écrou qui maintient le tout. Notre casque est installé. Nous allons maintenant serrer l'ensemble. Nous commençons par l'axe de barre qui doit être serré à la main. Nous venons mettre la vis de blocage en haut. Sur cette vis se trouvent deux rondelles. La rondelle de grower est la plus proche de la tête de vis. Une fois vissé dans l'axe, avec une clé de 10, nous finissons le serrage. La barre et le safran sont maintenant installés. Avant la navigation, il est important de faire une vérification et de l'axe et de la vis pour vérifier qu'elles ne sont pas desserrées. Avec les vibrations, ce dernier peut se desserrer. L'installation des éléments du bateau dans sa version parking est terminée. Dans les prochains tutos, nous passerons à l'installation des voiles.